Les libertés dont les citoyens de Hong Kong sont fiers, comme les libertés d'expression et de religion, semblent être définitivement acquises. Mais beaucoup craignent que la région autonome de Hong Kong ne se rapproche trop de la Chine continentale et que ces libertés ne soient menacées. Le week-end dernier, un incident impliquant une pratiquante de Falun Gong a confirmé ses craintes que Hong Kong ne soit de plus en plus influencée par les décisions du Parti communiste chinois. Une pratiquante de Falun Gong attaquée à Hong Kong samedi dernier. Une femme exerçant ses droits en tant que citoyenne de Hong Kong a été attaquée par des individus pro-communistes. Zheng Jiaochan pratique le Falun Gong, une discipline spirituelle persécutée en Chine continentale, mais qui est librement pratiquée à Hong Kong. Les deux personnes qui l'ont attaquée sont de la Youth Care, Association Limited des Hong Kong, un groupe en lien étroit avec le continent. Le jour de l'attaque, Zheng aidait des gens à enregistrer leur démission du Parti communiste chinois. Elle a dit avoir reconnu les individus, ceux-ci avaient déjà attaqué des pratiquants de Falun Gong antérieurement. Je me suis précipitée pour les prendre en photo, mais elle ne m'a pas laissé le temps de prendre de photos et m'a frappée avec le panneau d'affichage. Elle a essayé de me donner un coup de poing, alors j'ai reculé pour protéger mon visage de mes mains et parer le coup. Et elle a alors commencé à frapper mes mains. Aussitôt après l'incident, Zheng a averti la police. Les agents sont arrivés et les assaillants ont déclaré vouloir se réconcilier. Ils ont aussi prétendu avoir été frappés eux aussi. Zheng a déclaré que la police de Hong Kong devrait enquêter sur l'incident afin que d'autres résidents de Hong Kong ne subissent pas le même préjudice. Ils sont plus méchants aujourd'hui. Habituellement, ils ne nous frappent pas. Je veux engager une action contre eux. La police doit également en prendre l'initiative. L'agression de Zheng est la suite des hostilités de la Youth Care Association envers les pratiquants de Falun Gong locaux. Les actions de l'association ont amené les citoyens et les hommes politiques à condamner le groupe, mettant en garde les tentatives des autorités en Chine d'interférer avec les droits et les libertés dont jouissent les citoyens de Hong Kong.